Pourquoi maintenant, Anne de Pape, ce numéro sur les deux principaux fondateurs de Présent ? Alors, 2019 est le 100e anniversaire de la naissance de François Brignaud. Voilà une bonne occasion à saisir. Et Via Romana réédite L'hérésie du XXe siècle, qui est l'ouvrage majeur de Jean Madiran, qui permet de comprendre la crise de l'Église et la crise de civilisation. Nous n'allions pas rater ces deux occasions. Nous avons donc décidé de faire un hors-série de Présent sur ces deux personnalités, car nous avons tenu à évoquer non seulement leur talent, mais leur personnalité, qui est très différente l'une de l'autre, qui sont très différentes l'une de l'autre. Qui étaient assez complémentaires. Et qui étaient complémentaires, et c'est la clé du succès de Présent quand ils l'ont lancé en 1982. Et en pilotant la rédaction de ce hors-série, consacré donc à François Brignaud et Jean Madiran, les deux principaux fondateurs de Présent, 1982, est-ce que vous avez eu le sentiment que ces deux grands journalistes parlent encore à notre époque ? Alors écoutez, oui, j'ai tenu justement à demander des témoignages de gens qui étaient beaucoup plus jeunes que François Brignaud et Jean Madiran et qui ont découvert leurs livres, et ces livres les ont beaucoup marqués. J'ai donc le témoignage de Xavier Aymant pour François Brignaud et de l'abbé de Tannouarn, Guillaume de Tannouarn, pour Jean Madiran. Est-ce que ces livres parlent encore aux jeunes générations ? Je mets au défi quiconque s'intéresse au journalisme de ne pas dévorer « Mon après-guerre » de François Brignaud, qui est un livre de reportage, de souvenirs et un véritable guide du journalisme. Oui, « Mon après-guerre » est un petit chef-d'œuvre, est un petit bijou de littérature. Exactement, exactement. Et comme dernier exemple, je vous citerai le groupe que j'ai découvert très récemment, que je n'ai pas écouté, mais qui s'appelle Constantinople, et qui est un groupe de black metal catholique maurassien, et qui met en musique certaines œuvres de Maurras et des poèmes de Frêne de Brasillach. Oui, c'est inattendu. Oui. Vous voyez que l'esprit souffle où il veut, et il peut souffler près des jeunes générations aussi. Et vous qui avez donc travaillé spécialement avec François Brignaud, qui avez été très proche de lui jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Je l'ai vu le jour de sa mort. Quelle est la part de son œuvre que vous souhaitez voir survivre, ou quelle est la part de son œuvre qui survivra sur une très longue durée au global ? C'était d'abord un polémiste, et le polémiste par essence, c'est quelqu'un qui est un homme de l'éphémère. Lié à l'actualité. Oui. C'était d'abord et avant tout un journaliste, indéniablement, de toute façon. C'était vraiment sa nature d'être journaliste. Mais je crois, donc j'ai cité déjà Mon après-guerre, qui restera. Oui. De toute façon. C'est un témoignage incontournable. Et je pense que le côté Brignaud en argot, le côté langue parlée écrite, si j'ose dire, restera également, puisque ce sont des articles qui ont été goûtés par Céline, par exemple. Vous faites référence à Paul Monopole, à ses romans policiers, Coco Balleuil, etc. Du début de sa carrière. Il y a également les romans policiers. Et pour finir, le côté reporter sur le front de l'histoire, je pense, avec la terreur, mode d'emploi, etc. Tout ce qu'il a pu écrire dans le cadre de l'anti-89. Et qui restera, je pense. Merci, Anne Le Pape. Merci, Francis Bergeron.